Good morning, and what's going on with Cupid? I'd just like to see how far I can go with learning French during this learning session w without the aid of c coffee or any other energy drinks. Although, yes, I did, consume a bit of about one-third can of, one-third can of Chinese-made Red Bull about an hour ago. But, I suppose, it does not have that much of some stimulating effect. And I don't reckon it, it would actually last very long, considering its ingredients and, price, of course, Though it's getting, increasingly more expensive with, with Chinese-made Red Bull, in comparison to, to foreign-made, such as those that are made in Vietnam or in Thailand, In fact, they cost actually somewhat less, than the local made, than the Chinese-made Red Bull. But somehow, somehow, sometime about late last year, actually, not so long before or after my grandma's passing, I noticed that, somehow Taobao, they either unlisted or banned, all those listings and vendors or dealers selling, Thai-made or Vietnamese-made Red Bull. So, so I had no choice but to get, Chinese-made ones and some other cans of, canned coffee, since, near my, near my region, well, near the suburb in which I'm currently residing, I can't find, any, bakery that, bakery shop that that makes, decently made, cappuccino and or latte, but those, they pretty much all sell, those high, highly sweetened, canned or either canned or bottled coffee. that have a lot of that have a lot of carbohydrates and other sorts of additives added, which I don't suppose, they are good for health. So, I try to restrain, or I try not to drink them, unless, I have absolutely no other choice, So, a bit of side note here, thanks to your kind and generous patronage, I should be able to afford to buy some, some pure black, some Japanese-made pure black canned coffee. Next month, once I can manage to get some payouts from my Patreon Well, thank God and thanks be to you guys, yeah. But w without further ado, I beg your pardon for getting sidetracked for too long. Let's get to it. Let's see how far I can go. Okay, so resuming our previous learning sessions, learning French.
Salutations. Let's get this lesson over with. Yeah, see how far I can go. Matin, après-midi, après-midi. Soir, soir, nuit. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour est utilisé le matin et l'après-midi. Du lever du soleil jusqu'à 18 heures en général. C'est une expression plutôt formelle. Bonsoir est utilisé la soirée et la nuit après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. Salut. On utilise salut quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Bonjour, je suis Julien, enchanté. Enchanté, Julien. Je m'appelle Angela. Enchanté est une formule de politesse qui peut être utilisée dans un contexte formel comme informel. Cela signifie que vous êtes heureux de rencontrer la personne à laquelle vous vous adressez. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Une expression plutôt formelle, au revoir. Au revoir. Des expressions plutôt informelles, au revoir. Au revoir. Salut, ciao, bye. Et des expressions qui peuvent s'utiliser pour un contexte formel et informel. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. En fonction du moment de la journée. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire à tout à l'heure, très rapidement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire une course à tout à l'heure. Je vais faire une course à tout à l'heure. Je vais faire une course à tout à l'heure. Je vais faire une course à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire une course. I'm going for an errand. See you later. Bonsoir est utilisé la soirée et la nuit après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Bonsoir est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. That's quite hard. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Well, it had the, you know, had this learning system, you know. designed a completely different, you know, benchmark, you know, for passing, I would have failed quite miserably, you know. Had they, you know, you know, made the passing standard, you know, just slightly more, just marginally more difficult, I wouldn't even be able, you know, to pass it, you know. Considering my stupidity, my level of intelligence is just shit, you know. I beg your pardon, yeah, but you know, it's
a fact. It's pretty much a fact as far as I know. Excuse me, just need to adjust the brightness of my laptop's webcam a bit, so that my face can look a bit more, just a bit more presentable, you know, in front of you guys. You know, out of respect and my own dignity. Sorry, yeah. Got sidetracked again. Stay focused. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Just in case. D'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire une course. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Still don't know the difference between à bientôt and à tout à l'heure. Rapidement, dans la même journée. À plus tard. Après quelques heures. À bientôt. Peu précis. À la prochaine. Plus informel. À plus. À toutes. Sont des raccourcis très informels. Peu précis. Reverra notre interlocuteur. Bonne nuit. En fond. Bonne journée. Je pars travailler. Bonne journée, mon chéri. Bonne journée. Bonne journée. Bonsoir, est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire un cours. À tout à l'heure. Bonsoir, est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Wait. Look at this one. Into, I actually forgot, the meaning of this word in English. Yes, I know it means, participants in a conversation. But just to be sure, better safe than sorry, into. Yeah, it means this. Interlocutor. Interlocutor. And here in French is interlocutor. The spelling, different, some slightly different in spelling. Yeah. Interlocutor. Someone who is involved in a conversation. Yeah. The participants. Participants of a conversation. And in American accent, that should be, my guess would be interlocutor. Interlocutor. British would be, RP should be, should sound like interlocutor. Hopefully,
Hopefully my pronunciation sounds adequate. But yeah, we'll get back to that sometime, some other time. Bonne journée. Bonne journée. Fonction du moment de la journée. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire à tout à l'heure, très rapidement, dans la même journée. À plus tard, après quelques heures. À bientôt, peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus. À la prochaine. It means à bientôt, okay. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. À toutes sont des raccourcis très informels. Adieu s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. C'est une expression un peu dramatique. C'est une expression un peu dramatique à utiliser avec prudence. Utiliser avec prudence. Avec prudence. Use with caution. Ou pour faire de l'humour. Check my understanding. Farewell. Yeah, I know it means farewell. It's used on the contrary when you know that we will never see the person again. It is a somewhat dramatic expression to be used with caution or for humor. Bonsoir est utilisé la soirée et la nuit après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire « à tout à l'heure » très rapidement dans la même journée. À plus tard, après quelques heures, à bientôt, peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus, à tout, sont des raccourcis très informels. Adieu, s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. C'est une expression un peu dramatique, à utiliser avec prudence ou pour faire de l'humour. Maybe I should cut my hair a bit sometimes. Yeah, so so let's go for the exercises. Well, let's go for vocabulary. Bonne soirée. Then we go through the exercises I failed to pass last time. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Good evening. Bonne soirée. J'arrête de travailler pour aujourd'hui. Bonne soirée. Does that mean good night or good evening? Oui. Evening, okay, means good evening. J'arrête de travailler pour aujourd'hui. Bonne soirée. J'arrête de travailler pour aujourd'hui. Bonne soirée. J'arrête de travailler pour aujourd'hui. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. J'arrête de travailler pour aujourd'hui. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. J'arrête de travailler pour aujourd'hui. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. 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 Salut Anna, comment ça va? Salut Anna, comment ça va? Comment
Comment vas-tu? Salut Anna, comment ça va? À la prochaine. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Le soir. Le soir. Evening. Entrée après-midi et la nuit. Le soir. We already have a soirée, then why do we have le soir? Don't they mean the same? Yeah, le soir, I don't know. Le soir, je mange un repas froid. 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 Cold meal, please. In the evening, I eat a cold meal. Bonsoir, est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire « à tout à l'heure » très rapidement dans la même journée, « à plus tard », après quelques heures, « à bientôt », peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus, à tout, sont des raccourcis très informels. Adieu, s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. C'est une expression un peu dramatique, à utiliser avec prudence ou pour faire de l'humour. Le soir, je mange un repas froid. En fait, dans l'humour, le soir, je mange un repas froid. Bonsoir, est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire « à tout à l'heure » très rapidement dans la même journée, « à plus tard », après quelques heures, « à bientôt », peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus, à tout, sont des raccourcis très informels. Adieu, s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. C'est une expression un peu dramatique, à utiliser avec prudence ou pour faire de l'humour. Le soir, je mange un repas froid. Pour faire de l'humour. Le soir, je mange un repas froid. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Je vais faire une course. À tout à l'heure. I'm going for a run. See you later. Bonsoir. Est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire « à tout à l'heure » très rapidement dans la même journée, « à plus tard », après quelques heures, à bientôt, peu précis. Peu précis. À la prochaine, à la plus prochaine. Informel. À plus, plus à tout, sont des raccourcis très informels. Adieu, s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. C'est une expression un peu dramatique, à utiliser avec prudence ou pour faire de l'humour. Le soir, je mange un repas froid. Je vais faire une course. À tout à l'heure. So freaking hard, man. Let's get back to my lesson. Être.
To be, be être. Être. Je suis Alice. Je viens de Belgique. Je suis Alice. Je viens de Belgique. I'm Alice. I'm from Belgium. Yeah, Belgique. Oh, sorry. Turned to the wrong dictionary. Il n'est pas jusqu'à l'Antarctique qui ne soit pollué. Il n'est pas jusqu'à l'Antarctique qui ne soit pollué. Il n'est pas jusqu'à l'Antarctique qui ne soit pollué. Entre. Être. 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 Non, entre. Être. Être. Yeah, être. Je suis Alice. Je viens de Belgique. Bon après-midi. Bon après-midi. Good afternoon. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Goodbye and good afternoon. Yeah, it means good afternoon. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir, au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon après-midi. Bon, au revoir et bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. Tu as passé une bonne journée au travail? Bonsoir. Bonsoir. Tu as passé une bonne journée au travail? Bonsoir, tu apprécies une bonne journée à travail? À travail. Good evening. Did you have a good day at work? Is that what it means? Did you have a good day at work? Yeah, precisely. Bonsoir. Tu as passé une bonne journée au travail? Bonsoir, tu apprécies une bonne journée. Bonsoir, tu as passé une bonne journée au travail? S'appeler. I am s'appeler. S'appeler. Je m'appelle Rose. Je m'appelle Rose. Enchanté. Enchanté. Enchanté, je m'appelle Léon. Nice to meet you. Adieu. Adieu. Dire adieu, c'est dire au revoir pour toujours. Dieu à Dieu, c'est Dieu à pouvoir pour toujours. Dire adieu, c'est dire au revoir pour toujours. It means, you know, yeah. to say goodbye is to say goodbye forever. To say adieu is to say goodbye forever. Bonsoir est utilisé la soirée et la nuit, après 18 heures environ. C'est également une expression plutôt formelle. On utilise « salut » quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire « à tout à l'heure ». Très rapidement dans la même journée, à plus tard, après quelques heures, à bientôt, peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus, à tout, sont des raccourcis très informels. Adieu, s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. C'est une expression un peu dramatique, à utiliser avec prudence ou pour faire de l'humour.
Le soir, je mange un repas froid. Je vais faire une course. À tout à l'heure. À tout à Merci l'heure. À tous Merci pour la à réunion toute de ce la matin. réunion Au de ce revoir et matin. bon après-midi. À vous voir. Dire adieu, À c'est dire voir. au revoir Bon pour toujours. après-midi. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Je rentre à la maison en fin d'après-midi. À plus tard. Bonjour. 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 Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Checking its IP. Bonjour. Bonjour. Yeah. Bonjour. 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 Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. How's your day? Bonjour. L'après-midi. L'après-midi. L'après-midi, je fais une sieste. L'après-midi, je fais une sieste. In the afternoon, I take a nap. L'après-midi. L'après-midi, je fais une sieste. L'après-midi, je fais une sieste. L'après-midi, je fais une sieste. Je fais une sieste. Oh, the T is still pronounced. It, you know, it's not a silent T. It's not a silent T. It's, yeah. Listen carefully. L'après-midi, je fais une sieste. 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 Yeah, one more time. L'après-midi, je fais une sieste. Yeah, it has a T sound at the end of the sentence. L'après-midi, je fais une sieste. L'après-midi, je fais une sieste. Yeah, okay. Oops. It got stuck. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain matin. Bonne nuit. À demain matin. Good night. See you tomorrow morning. À demain matin. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Freaking hot. So there's a schwa sound. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Revoir. Au revoir. 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 Au 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 revoir, Axel. À bientôt. Au revoir, Axel. À bientôt. It sounds like au revoir, you know. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. Synonymous with à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée. Good day. Je pars travailler. Bonne journée, mon chéri. Je pourrais travailler. Bonne journée, mon chéri. La nuit.
La nuit, tout le monde dort. La nuit, tout le monde dort. La nuit, tout le monde dort. At night, everyone sleeps. Well, not necessarily. La nuit, tout le monde dort. La nuit, tout le monde dort. Le matin. Je prends une douche le matin. Je prends une douche le matin. Je prends une douche le matin. Le matin. Shoulder hurts. Time of day, from the beginning of the day until noon. Let's try this. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Adieu. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Thomas. Enchanté. Je suis Non. Enchanté, Elisa. Je suis Thomas. No. Enchanté is this one is feminine one. So enchanté Thomas, tu sais Elisa. Yeah. Enchanté Elisa. Yeah, finally. Okay, I should be able to pass this one. Well, unless I'm really, really stupid. Bonjour, is it? Bonjour. Like this. Bonsoir. Like this again. Le matin, in the morning. Je vais faire un cours à tout à l'heure. I know this one, but à la prière, à tout, not sure, à tout. Enchanté. À voir à la prochaine. Lucky this. Adieu. Au revoir, Cédric. À bientôt. I think it's à bientôt. I imagine.
La trouvaille pour l'argent des bons. Bonne journée. Écoutez. Bonne soirée. Oh, shit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Accès au papier. Après-midi. Add S, après-midi, bye. Merci, merci à tous pour la réunion de ce matin. Au revoir et bon. Bonsoir. Bon après-midi. Salut. La pièce. Le matin. Le soir. Bonjour. La pièce. Je m'appelle Lucky Guess. As-tu l'heure? I don't know, just a Pluto. So close to passing. I don't want to try this again, man. Matin, après-midi. Le soir. Le soir, je mange un repas froid. Le soir, je mange un repas froid. La nuit. La nuit. La nuit, tout le monde dort. La nuit, tout le monde dort. Tout le monde dort. Tout le monde dort. La nuit, tout le monde dort. La nuit, tout le monde dort. La nuit, tout le monde dort. Video processing complete. Yeah, can we get back to that? Yes, can we get back to it's uploaded to YouTube.
si ben là. Fans comments. How to spell archaeologist? Archaeologist. Yeah. Archaeologist. That's the British spell. Upload it, but you know, not necessarily publish it right away before I examine the whole video, pretty much the whole video. Yeah, that's in fact, you know, a video that's to be made public. you know, it's a, you know, a cut video, you know, of another Patreon exclusive video, so you know, I have to examine, you know, the whole thing quite thoroughly, you know, before publishing it. So let's get back to the French lesson. Soir, nuit. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour est utilisé le matin et l'après-midi. Bonjour, es-tu utilisé le matin et après-midi? Du lever du soleil jusqu'à 18 h en général. Du lever du soleil jusqu'à 18 heures en général. C'est une expression plutôt formelle. Bonsoir est utilisé la soirée et la nuit après 18 h environ. C'est également une expression plutôt formelle. Salut. On utilise salut quand on connaît bien son interlocuteur. C'est une expression informelle. On peut l'utiliser pour dire bonjour ou dire au revoir. Bonjour, je suis Julien, enchanté. Enchanté, Julien. Je m'appelle Angela. S'appeler. Je m'appelle Angela. Enchanté est une formule de politesse qui peut être utilisée dans un contexte formel comme informel. Cela signifie que vous êtes heureux de rencontrer la personne à laquelle vous vous adressez. Il existe beaucoup d'expressions pour dire au revoir. Une expression plutôt formelle, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Des expressions plutôt So hungry. informelles. Salut, ciao, bye. Et des expressions qui peuvent s'utiliser pour un contexte formel et informel. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, en fonction du moment de la journée. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire à tout à l'heure. Très rapidement dans la même journée. À plus tard, après quelques heures. À bientôt, peu précis. À la prochaine, plus un. À bientôt. À bientôt. Comment? When we know that we will see our
interlocutor again, we can say see you later very quickly in the same day. On petit frère, as-tu allé? Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire à tout à l'heure, as-tu très travail? Rapidement dans la même journée, à voilà, plus tard, voilà, après quelques heures, voilà, à bientôt, peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus, à tout, sont des raccourcis très informels. See you next time, more informal. À la prochaine. Oui, see you next time, more informal. À la prue, à tout, a very informal shortcut. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire, à tout à l'heure, très rapidement dans la même journée, à plus tard, après quelques heures, à bientôt, peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus, à tout, sont des raccourcis très informels. Ah, tibai. Informel. À plus, à toutes, sont des raccourcis. Très informel. Adieu s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on nous retient du moment de la journée. Ciao, bye. Et des expressions qui peuvent s'utiliser pour un contexte formel et informel. Bonne journée, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Then we have bon soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Good evening and good night. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Dis, bonne soirée. Bonne nuit. En fonction du moment de la journée. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire à tout à l'heure. Très rapidement, dans la même journée. À plus tard. À plus tard. Après quelques heures. Après quelques heures. À bientôt. À bientôt. Peu précis. Peu précis. À la prochaine. À la prochaine. Plus informel. Plus informel. À plus. À toutes. Sont des raccourcis très informels. À plus, à très, à trop sont des raccourcis très informels. Bonne nuit, en fonction du moment de la journée. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre interlocuteur, on peut dire à tout à l'heure, très rapidement, dans la même journée. À plus tard, l'on sait qu'on... Bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, en fonction du moment de la journée. En fonction du moment de la journée. Lorsque l'on sait qu'on reverra notre... Interlocuteur. On peut dire à tout à l'heure, très rapidement, dans la même journée. À plus tard, après quelques heures. À bientôt, peu précis. À la prochaine, plus informel. À plus, à toutes, sont des raccourcis très informels. Adieu s'utilise au contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. C'est une expression un peu dramatique à utiliser avec prudence. Expression c'est qu'on utilise au adieu. Adieu s'utilise au contraire. C'est utilisé à contraire lorsque l'on sait qu'on ne reverra jamais la personne. Jamais c'est une expression un peu cette expression un peu dramatique. Dramatique à utiliser avec prudence. À utiliser avec prudence. Ou pour faire de l'humour. Ou pour faire de l'humour. Yeah. Use it with caution. Yeah, let's take this test one more time in this learning session. During this learning session, if I still can't pass it, then leave it to next time. Yeah.
Bonjour. Voici Twig, à bientôt. Ah, pour voir. La nuit. Le soir. La plus tard. Regardez ça. Plus tard. La plus... Salut. À la prochaine. Sorry. Je m'appelle. Le soir. Bonsoir. Bonsoir. UC Alice, je viens de Belgique. Je prends en douche la... matin. I didn't understand the sentence, you know, but I still managed to get that correct. Never mind. Enchanté. Enchanté. Bonus. 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 Like this. Après, afternoon, midi, yeah, midi. Merci à tous pour la réunion de ce matin. Après, vous êtes bon. Just got lucky. Got to eat something because I felt, you know, feeling I'm about as if I am about to faint. So better eat something. Yeah, just give me a moment. I'll get some hot dog. Not exactly hot.
Shouldn't have. Perhaps I shouldn't have skipped dinner last night. You know, but you know, considering, you know, I had nothing else to do, so I just figured I should just, you know, sleep to escape the harsh reality. You know. Itadakimasu. Yeah. So. Yeah. Some just got some fish fillet sausages. Yeah. You know, donated by my aunt, one of my aunts, you know, aka my adopted mom. So, yeah, let's resume. See how far I can go. Je suis Marianne K. Je suis. Être. Je suis Alice. Je viens de Belgique. 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 Cartier. Je m'appelle Marianne Cartier. J'ai 31 ans. Âge. J'ai 31 ans. Âge. Avoir. En. Avoir. En. En. Âge. 31 ans. J'ai 31 ans. Âge. Je suis né le 24 juillet 1990. Juillet. Être né, né. I was born, was born, être né, be born. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Est né en France et est en Belgique. Il est né en France, mais il vit en Belgique. He was born in France, but he lives in Belgium. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Elle est née en France, mais elle vit en Belgique. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Yeah, thank God for this fish fillet, fish. Fillet sausage, you know, and thank my aunt, maybe my adopted mom. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Date de naissance. Date of birth. La date de naissance. La date de naissance. Ma date de naissance est le 20 mars 1982. Ma date de naissance est le 20 mars 1982. Le 20 mars
82. Ma date de naissance est le 20 mars 1982. Still not good, so good with numbers in French, you know, I guess. Ma date de naissance est le 20 mars 1982. We'll get back to that later, if God's still willing. Je viens de Belgique, pays d'origine. Le pays d'origine. Mon pays d'origine est la Suisse. Venir de. Je suis Alice. Je viens de Belgique. To come from. Venir graver la situation. Venir. Venir contribuer au chômage. Venir contribuer au chômage. Venir. 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 Viens quand tu veux. Viens quand tu veux. Viens quand tu veux. So it's obviously is a preposition. Yeah, to come from. Yeah, venir de. Je suis Alice. Je viens de Belgique. Je suis belge. Nationalité. Je vis avec ma nationalité. Je suis belge. Belge. Belgium. Belge. Belge. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. She's from Belgium, or she is Belgian. She lives in Brussels. Yeah. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. Belge. Nationalité. Je vis avec ma mère à Bruxelles. Ville. Mon adresse est 16. Place de l'université. Adresse. La mère. Mother. La mère. Je vis avec ma mère et mon père. Je vis avec ma mère et mon père. Je vis avec ma mère et mon père. I live with my mom and my dad. Yeah. Je vis avec ma mère et mon père. 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 La mère. Yeah. La date de naissance. Ma date de naissance est le 20 mars 1982. La ville mars 1982. Ma date de naissance est le 20 mars 1982. Let me get one more fish fillet and sausage.
Looks like I need to get my lunch ASAP, you know? Lest I starve to death, you know? So freaking starving. Ma date de naissance est le 20 mars 1982. Venir de... Je suis Alice. Je viens de Belgique. Je suis Alice. Je viens de Belgique. La nationalité. La nationalité. Elle a la double nationalité suisse et belge. Elle a double nationalité suisse et belge. She has two nationalities, Swiss and Belgian. Yeah. Avoir un. Mon frère est jeune, il a 10 ans. Il est né en France, mais il vit en Belgique. My brother is young, he's 10 years old. Mon frère est jeune, il a 10 ans. Il a 10 ans. But suddenly this boy here doesn't look like 10 years old, or he's just 1 year old. Yeah. Avoir un. Avoir un. L'âge. 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 Mon âge est 42 ans. 42 ans. Mon âge. Mon âge est 42 ans. Mon âge. 42 ans. 42. L'âge. Vivre. Vivre. Live. Somewhere. Build and spend your life, house and work relationship somewhere, synonym to the well. Yeah. Vivre, 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 vivre. Je suis né en France, mais je vis en Belgique. Vivre, yeah. Le pays d'origine. Le pays d'origine. Mon pays d'origine est la Suisse. Mon pays d'origine est la Suisse. Être né, né. Il est né en France, mais il vit en Belgique. Être né, né. Yeah, to come to this world, to be born. Yeah. Être né, né. Être né, né. S'appeler. S'appeler, I am. Je m'appelle Rose. Yeah, I've seen that in my previous lesson, you know, that we went through together. Yeah. S'appeler. Can't seem to find the word. This French dictionary. Oh yeah, there is. Appeler, s'appeler, appeler, yeah, appeler. To call. It literally means to call. It means I am. Yeah. Je m'appelle Rose. M'appelle Rose. Construire et passer sa vie, logement, travail, relation, quelque part. Synonyme, habiter. Yeah, my name is Rose. I thought it means I am Rose. But it looks like I am. Je m'appelle Rose. S'appeler. S'appeler.
Verb used to say his name. Verbe utilisé pour dire son nom. Verbe utilisé pour dire son nom. Être. Yeah. Je suis Alice. The beaver. Je viens de Belgique. L'adresse. 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 L'adresse de mon bureau est 16 place de l'Université à Paris, en France. L'adresse de mon bureau est 16 place de l'Université à Paris, en France. L'adresse de mon bureau est... L'adresse de mon bureau est 16 place de l'Université à Paris, en France. À 16, plus de l'Université à plus, à après, après. L'adresse de mon bureau est 16 place de l'Université à Paris, en France. À Paris, à France. L'adresse de mon bureau est 16 place de l'Université à Paris, en France. Ok. La ville. La ville, city. La ville. Paris est une grande ville. Paris est la grande la ville. La ville. Paris is a large city. Place where many people live, opposite countryside. Endroit où beaucoup de gens vivent. Contraire, campagne. Endroit où beaucoup, endroit beaucoup de gens vivent. Contraire. Endroit où beaucoup de gens vivent. Contraire, campagne. 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 It sounds like country, but it actually means countryside. Yeah. Belge. Belge. Belgian. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. Wait, so Belgian. 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 Belgian, not Belgian. 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 Belgium. Belgian. 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 Belgium. Belgium. Yeah, okay. Belgian. Belgian. Yeah, that's what it means. Belge. Belge. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. Bruxelles. Elle est belge. Elle vient de Bruxelles. Elle vient de Bruxelles. Belge. 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 Yeah. There we go. Endroit où beaucoup de gens vivent. Contraire, campagne. To try to memorize the vocabulary words with the example sentences. Example sentence. This can help you know in what context you can use a word. Conseil, essayez de retenir les mots de vocabulaire avec la phrase d'exemple. Cela peut vous aider à savoir dans quel contexte vous pouvez employer un mot. Okay, I'll add this to my video description after we finish this French learning session and while I upload this video to YouTube. Conseil, essayez de retenir les mots de vocabulaire avec la phrase d'exemple. Cela peut vous aider à savoir dans quel contexte vous pouvez employer un mot. Cela peut vous aider à savoir dans quel contexte vous pouvez employer un mot. Conseil, essayez de retenir les mots de vocabulaire avec la phrase d'exemple. Cela peut vous aider à savoir dans quel contexte vous pouvez employer un mot. Breathing hard. Yeah, let's try one exercise, then we can call it a day. Yeah. Je viens de Belgique. She lives in Belgium. Image 3.
No. Mystery. 31 years old. Mage 2. I don't get it. Why it's that one? I don't know. Let's find out later. Never mind. Date of birth. Yeah, 2. Address. 1. You see, Belgian folk. 3. Don't know about that, but yeah, maybe I should call, we should call it a day. Just checking my statistics here. We spent, more than 90 hours on this platform learning French. If we also take that, the time we spent here using Google Translation and the dictionary here, even including Cambridge Dictionary. Yeah, so yeah, all these platforms combined, 90, more than 90 hours already. Yeah, thank you very much for watching and listening and being with me to the end of this filming session. So, if God's still willing, until next time, au revoir, à bientôt. Until next time, cheers. Take care, stay safe. Bye.